Alors aujourd'hui nous sommes au parc Yangmingshan Mountain. Alors je vous préviens, aujourd'hui je suis capoute, je suis rentrée hyper tard hier, mais je vais vous faire une petite visite de ce beau parc qui se trouve au nord de Taipei. Là, faut prendre un petit bus. Je ne sais où. Alors, la petite anecdote. Il y a des Français. Qui n'ont pas compris le principe de ce parc, qui sont juste arrivés à l'entrée et comme tout était écrit en chinois, ils auraient compris. Du coup, ils sont partis. Donc, le principe, c'est pas de rester à l'entrée, c'est qu'on peut prendre des petits bus pour se balader. Pour se balader, pour rentrer à l'intérieur du parc, pour voir ce que c'est. Voilà. Bon, maintenant nous allons prendre un petit bus. Nous sommes dans le bus. Sauf que le truc c'est que je ne passe pas. Je me retrouve dans un endroit là à la sortie. Et je... Regardez-moi ce plafond. En plus ici ils conduisent comme des malades, il faut s'accrocher. Enfin bref, on va arriver en lieu sûr. Mais ici, quand ils conduisent, c'est des malades. On est secoués comme des... Ils connaissent pas le grand patates, ah non. En fait, j'ai rien dit. Quand tu viens ici, il faut savoir lire le chinois, il faut savoir le comprendre. Heureusement, aujourd'hui, j'ai ma guide Yuna. Ah, t'es vraiment perdu si tu sais pas lire. C'est une ville dans un parc. Tu passes ton temps à grimper. C'est que le début, hein. Ah, bah, on voit des gens descendre, donc il y a forcément quelque chose. Nous sommes arrivés. Comme quoi, toutes les routes mènent à Rome. Tu vois, ça, ce café-là, c'est ça le café. Oh là là, qui donnait sur les fleuves. En fait, ici, un monsieur a payé son café à 300 NTD, ce qui fait très cher, je sais pas, convertissez en euros, j'ai la flemme, mais c'est cher. Regardez-moi ça. Tout comme vous les amis, reviendrons-nous vivants de ce périple. Nous le serons après la vue. À la base on est ici pour améliorer notre niveau de chinois. Donc là, nous allons le tester avec une pancarte. Switch UN, la roue d'eau qui tourne. Donc voici le moulin, nous savons pourquoi. Après, c'est bien l'illustration. Voilà, exactement. Si vous ne comprenez pas, il y a le dessin. Donc vous faites genre que vous comprenez. Et hop, le moulin. Paysage, le mont, Ding Shan Ding, sommet. La tactique c'est de faire genre que tu comprends en disant seulement les mots que tu comprends et en inventant un son dans les quatre tons. Ok, et comme ça tu sais. Bon, et c'est même pas mon exemple, je suis très mal placée pour ça. Nous passons par un chemin un peu périlleux avec d'un côté le vide et de l'autre côté l'eau.
Hashtag karma. Yeah. C'est pour ça qu'il y a indiqué ceci, pour ne pas vous cogner, mais Yuna se l'est pris en plein dans la tête. Ceci dit, si elle s'était pas prise, je me le serais pris, parce que je n'ai pas vu. Ah, le monsieur a vu, coucou, ouais. Il a vu l'accident auquel nous venons assister, ni oh. Le karma. Si vous vous moquez de quelqu'un, ça va vous revenir sur vous. Alors ce champ-là, grillagé, c'est un endroit où vous pouvez cueillir, on va les appeler jonquilles, kalalili, bon bref, pour moi c'est des jonquilles, enfin, ça se trouve c'est même pas ça. Et tu pêches, je sais pas combien, pour cueillir 100 Taïwan dollars les 6. 100 Taïwan dollars les 6, sachant qu'elles vont faner. Après, moi, je ne le ferai pas. Imagine. C'est un titre personnel. Voilà. Ici, reporter Ronéo sans frontières, nous avançons dans des contrées lointaines. Merci, je suis actuellement avec Yuna, ma guide. Attention, nous entrons dans un terrain hostile. Nous serons peut-être attaqués. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Recevez-vous. Bref, je ne sais pas où nous avançons. Donc, depuis tout à l'heure, on marche dans la forêt. Bon, après, moi, j'ai rien contre la forêt, hein. J'aime ça, mais ça manque de piment. Nous, on veut les sightseeing, la scène, du grandiose et tout ça. Bon, après, si vous aimez marcher dans la forêt, vous enfoncez, il y a plein de petits trucs à voir, les fleurs. Non, un champ d'abeilles, mais pas signé pour ça. Ah, j'ai pas envie d'aller là. C'est où ça? Pour les personnes comme les abeilles, vous êtes servis. Il y a plein aussi de bêtes aussi, genre inconnues, grosses comme ta main ou je sais pas quoi. Ah mais c'est ce qu'on voyait de là-haut, non? Ah bah on est vraiment descendu. On voyait ça d'en haut quoi. Non mais regardez, c'est magnifique. Magnifique. Tien Shan. Comme tout Français qui se respecte, nous aimons nous plaindre. Et donc, juste au moment où nous plaignons, nous sommes arrivés sur une vue fantastique, un espèce de petit lac. Et là, je suis en train de t'embêter. Je suis en train de vous parler. Yeah! On ne sait pas où on va. Tu es sûr que c'est un sentier? Ah, je sais pas. Hein. Ça me paraît sauvage. Nous enfonçons dans la forêt. Peut-être à droite. Là où il y a le papy. Parce qu'après, c'est plus pavé, donc il y a peut-être des serpents. Ah ouais, regardez-moi ça. C'est peut-être... Quoique ce chemin aussi est peut-être pavé de serpents. Donc en fait, j'ai l'impression que... Yami... Pourquoi? Ah ouais, bah là encore ça va. Hein. C'est juste l'arbre qui est. Regardez. Voilà. Donc l'aventure à Yan Min Shan, c'est vraiment l'aventure. C'est Koh Lanta en version light. Bah, on arrive vers un pont, donc ceci dit, ça veut dire que c'est quand même civilisé. Quelle est cette chose? Ah. Je ne saurais la décrire. Je sais pas. Comme un bambou géant. Ça se trouve, il y a des serpents, tout ça, là-dedans, là. Rien que le fait d'y penser. Ah, mais c'est vraiment la cambrousse, regardez, on sait pas où on va. Nous ne savons pas. N'oubliez pas de commenter bilan. Le périple... Aïe! Je vais me faire une cheville. À cause de vous. Le périple à Yamichang. Alors oui, il est aussi dit sur plusieurs sites
et prospectus, qui a beaucoup d'oiseaux et tout ça. Enfin, pour l'instant, on les a pas vus, hein, ils sont nulle part. À moins, ils nous aiment pas. Ah, mais je crois qu'il y a un chemin, on retrouve le chemin. Ah bah voilà, on est vivante. Continuons notre périple. On se fait tracer par un papy, quoi. On se sent un petit peu honteuse. Le mec, il a... Je sais pas, ouais, quel âge il a. En fait... C'est la fatigue, le manque d'énergie. C'est des warriors. Pourtant, en ville, ils marchent très lentement. Hein. Ah ouais. J'ai rarement vu un peuple marcher aussi lentement. Ah. Mais quand ils sont à la montagne, là, ils donnent tout ce qu'ils ont, quoi. Là, je peux pas marcher plus vite. Non plus. Je pense que c'était un dessin. Et là, on n'assume pas. Et puis, on a mangé. C'est la digestion. La digestion. On est en phase de digestion. Exactement. Donc, du coup, j'aimerais bien ce qu'ils me disent, qu'ils me disent ce qu'ils mangent, les papis, mamies, là, pour avoir leur force. Tellement c'est chaud, ça. On voit mon ombre là. On peut ressentir la chaleur. Donc le truc à ne pas faire, manger avant de prendre ce genre de bus. Surtout ne mangez pas un repas. Enfin bref. Par contre, ça fait des muscles. Hein. Ouais. Vous voulez faire un peu de développer couché, de mu. Et bah, tout ça quoi, faut venir dans. Là, on se dirige vers la plaine aux vaches. Exactement. La montagne me. Parce qu'apparemment, on peut faire des selfies avec les vaches. Et même qu'elles savent sourire et tout. Non, mais je rigole pas, hein. Commande Bilo. Je vous dis qu'ici, les chiens, c'est pas une affaire de rigolade, hein, les chiens. Les chiens, ça rigole pas ici. C'est genre. Elle a foutu son chien dans sa petite pochette. Elle a la pochette. Oui, bah oui, vous le voyez. Ça bouge là-bas. C'est le chien qui respire. Et je sais même pas si vous entendez. Le chien est en train d'allaiter à mort là. Il n'en peut plus. Je sais pas ce qu'elle lui a fait faire, genre un marathon. Mais les chiens ici, ça rigole pas. Et on m'a dit que les chiens ici. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas d'enfants, donc du coup ils prennent des chiens. Donc les chiens, ils ont des poussettes, ils ont des habits, en l'occurrence ils ont des sacs. Et ici ils aiment beaucoup les petits chiens, j'ai remarqué les petits chiens avec plein de froufrou, à coiffer, toiletter, tout ça. Donc ici, Taïwan, c'est le pays des chiens. Voilà, nouvelle anecdote, prenez-la en note, commande Bilo. Oula là, what's your step away for snake? Alors il y a des serpents. Il y a des serpents, les amis, il y a des serpents. Nous, là, normalement, on est censé chercher les vaches. Et ils me disent qu'il y a des serpents. Comment va-t-on survivre à la recherche de ces vaches dans cette vaste plaine? Vous voyez par vous-même. C'est géant, quoi. We found it! Maybe they will attack Renéo, you know? Oh, I hope so not. I hope so not. Elles ont pas peur. Regardez ces gens qui prennent des selfies à côté. Les gens, ils prennent des selfies. Il y a un beau petit. Oh, ça pue le fumier. Oh, il est trop mignon. Ah, les pauvres, ils veulent juste vivre leur vie là et tout. Et tout le monde les prend en photo. Ils sont trop choux. Eux, ils demandent rien, mais tout le monde sont autour d'eux. Regardez-moi, c'est paparazzi, paparazzi. Désolée, j'en fais partie. Je vais arrêter pour le bien d'autrui. Fine. Fine. Merci. Très spécial. That is different color. 对，这
Ah bah le same car, le same hair. Same. Ah, 不是. 不是. 这是假的. 这个假的啊? 对. 那真的在哪里? 真的. What is the real truth? There. 真的在里面. 啊,你的啦? 你的都是真的吗? 啊,也是假的. 也是假的? 不会吧? 怎么? 会. 那你不是原来就可以变成这样子吗? 会. 你,不是, 我说你不要用, you don't need to use, horse. 假的头发? 啊? 假,对啊, 诶。 你的国语非常好，用国语讲就好。你干嘛要用假的？你可以用真的啊。啊，也可以用真的。为什么？用假的可以，不要洗头啊。更长时间。更长，可以放更久的时间。更久。请问你们从哪里来的？从法国。法国。法国，你呢？也是法国。哦，两个都法国来的。所以你们住在法国哪里？巴黎。巴黎，你也是住在巴黎？ 我去过一次，去了很久以前。你喜欢吗？去十天啊？你喜欢吗？不喜欢。等一下，不是，不是，等一下。哎，不喜欢。这个不是不喜欢，你听我讲。这个问题很多人在问我。哎，我有去过，譬如说我去过Prague，我去过 München 哈。然后他说你喜欢吗？ My answers. 我不喜欢巴黎。 但是我喜欢巴黎的人跟巴黎的女孩子。 OK，OK，OK，OK，很好。 我不喜欢那个地方，但是我喜欢那边的人。 为什么不喜欢地方？没有，just joke。 OK，OK，OK。just joke。 If I like Paris, that means I like Paris, the people and everything. 就是我爱他嘛。但是 joke， 我不喜欢巴黎呀，但是我喜欢巴黎的女孩子，很漂亮啊。OK，OK。 你们在哪里学中国话？ 中国话，法国，法国，对，大学。去过中国大陆？去过中国大陆，住在那里还是只有去过？住在住多久？四个月。四个月，那你呢？一年半。一年半。一年半。怎么叫一点半？一年半。一年半。对。一点半是。对不起，对不起。什么是一点半？我中文不好。没关系，没关系。什么是一点半？一点半什么意思？一点半。 No， 一年半。 我知道了，我说一点半什么意思？什么意思？啊，一点半是什么意思？这个 hour 一点半是快一点半。一点半什么意思？一点半，不知道。譬如说 now， just example 呀， now is one hour，afternoon， 一点半，对。现在几点？一点半。 对，你有180，很好，一百九十三，你有193了，对，193什么？什么 ？Unit 的 unit， c'est dit comment c'est centimètre？ 啊，bah c'est 1米93，啊，1米93，1米93，对 ，order， 对 ，order， 还有 another word，another 分米。 1米93对不对？我们公分，公分哦，公分，哎，centimeter，193公分。OK，OK。Anyone？他说，你听清楚。然后这边是北京嘛，这边南京嘛，还有一个杭州，杭州西湖，你知道杭州吗？啊，杭州去过。对，你都去过了，好厉害。都去过。啊，你啊，你去过哪里？ 去过北京、北京、上海、上海。你们对，你刚讲国际贸易嘛，对不对？对。以后你们就会去上海工作了。跳过，中国做对不对？如果你能够选的话，你要选哪里？ 台湾很好。<笑>也是台湾哦。对，台湾。那对不起哈、哦，你会如果有一个台湾人。 当你的男朋友，你要不要？感情放啊！要不要？你要不要？如果有台湾人找你当女朋友，其实我有男朋友，你已经有了。哈什卡西卡？哈什卡？这哈什卡？哈什卡？ 卡什卡，卡什卡，卡什卡。
很厉害，但是没有钱。什么？啊，你们不厉害，但是很多钱。j'ai pas compris, mais on va faire semblant de rire. Mais c'est... 你知道台湾现在最有钱的是谁吗？台湾最有钱的人。但是你们住的地方不一样吗？不一样吗？还行。OK， 大家给我喝点水。OK， 我希望你们照漂亮的捐尸瀑布给我看，传给我捐尸。捐尸。你不要走错，不要走到卡西卡去哦。啊，你不要走错，走那个摘灯塔，走到卡西卡去了。OK， 啊，再见。再见，谢谢，拜拜。Alors on a dû parler au moins plus d'une heure avec ce monsieur et je n'ai rien compris. À la base, on voulait juste rentrer tôt pour pas se taper le bus. Voilà. Et ben là, c'est mort. Une heure. Donc c'est une heure qu'on parle de Napoléon. On va se taper. Ouais, donc voilà, Yuna. De quoi a-t-il parlé de la dernière question? Ah non, il faut pas dire. Le challenge est que je traduise. Tu vas traduire la vidéo. Essayez de traduire à la fin de ces 4 mois. Challenge accepté. Ah, merci. Donc, comment below for the people who understand Chinese and who can help me. Oh yeah. See you there. Ah, ça descend bien. You hear that? Ah ouais. On les entend, on va arriver au-dessus des chutes. Waterfall. On fait que monter et descendre ici. Les escaliers. Mais je vous jure, si vous venez à Taïwan, vous allez vous faire les cuisses. Hein. S'il y avait un escalier là. Oh, 1 km 2. Je vais rester 800 mètres. Je crois qu'on s'est trompé. Sauf que, mais il n'y avait qu'un seul chemin, donc je comprends pas. Non mais il y a un souci. Hein. Ah ouais. Regardez par vous-même. Tout à l'heure il disait 800 mètres, 800 mètres, et maintenant 1 km 2. Bon écoute, alors on fait que descendre. Hein. On monte, on descend. Après c'est très beau. Hein. Mais pour les gens qui ne sont pas sportifs, ce n'est pas fait pour vous. Pas fait. Je le dis pour votre bien. Hey, come on below. Je déconne. Oh là là. Mais regardez-moi ça. Cette descente abrupte. Bah non, ouais, même pas. Je sais même pas où est-ce qu'on va se retrouver. On va partir à 20h. Et ils sont passés où les gens devant nous? Ils ont été kidnappés. Le marchand de glace. Les boueurs. Parce qu'en fait ici, il y a le camion de poubelle. Genre il met une sirène comme la... Enfin une sirène comme, vous savez, dans les films des camions de glace là. Et donc dès que les gens ils entendent ça, ils sortent tous avec leur petite poubelle et ils vont la donner à l'éboueur. Donc tout à l'heure en fait cette chanson m'a plus fait penser au camion de glace. Tu sais qu'elle est là juste pour enlever les enfants, enfin généralement dans les films américains c'est ça. Cimer le cliché. Ah ça finit pas hein. On est dans la jungle tropicale. Mais regardez-moi ça. Où sommes-nous? On entend la water. Aïe! Oui, je viens de me
faire une cheville. Pour ceux qui ne savent pas, faire une cheville, c'est se tordre. C'est pas ça encore. On nous dit que c'est pas ça. Ah voilà, on la voit. Bon, très petit, mais on y arrive tout doucement. Donc leurs 800 mètres et 1,2 km, c'est des monteurs, des gros monteurs. Au bout d'un moment, tu me dis les vrais. Non mais en fait là, je suis en train de péter un câble parce que j'ai pas dormi et je suis fatiguée. Donc désolée. Mais... Alors quand t'es perdu dans la jungle, il faut bien s'occuper parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu seul au monde, il n'y a personne. Ah ouais, imaginez, on rentre pas, mais il n'y a vraiment personne. Et ils ont dit ici, je me répète, qu'il y a des serpents. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. Il y a... Oh, il y a des moustiques. Attention, la branche, il y en a. Faut pas s'apprendre une deuxième fois, ça serait bête. Hein. On fait que descendre en fait là. On fait que descendre et qui plus est, nous sommes attaqués par les moustiques. Alors je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais aujourd'hui j'ai beaucoup parlé. Les gens qui étaient devant nous à chaque fois on les perd de vue. Ouais, je. Bah, nous on s'arrête pour prendre des photos. Nous on est les vrais touristes. Paparazzi. En fait je crois qu'on est dans Jumanji. Parce qu'avant de venir on a lancé les dés et on s'est retrouvés propulsés. Non, je déconne. Je crois que j'en peux vraiment plus. De quoi? Alors, Yuna... Yuna fait des choses bizarres. Apparemment, il y aurait quelque chose ici. Je sais pas. Mais je vous jure, on est comme dans les films de Jumanji. Ah ouais, là... Il y a marqué... Hein? Landslide area. Donc nous sommes dans une zone dangereuse. Donc des pierres peuvent nous tomber dessus. Donc si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que nous allons peut-être mourir. Hé, hey, comment on dit là? On passe un peu dans des chemins abrupts où genre il y a les précipices de chaque côté. Donc si tu tombes, bah tu tombes, tu meurs. C'est tout. Et on a vu des phares, donc je pense que nous arriverons bientôt vers la civilisation. Nous quittons la jungle amazonienne. On est au bout de notre vie là. On cherche l'arrêt de bus, bien sûr, la carte est tout écrite en chinois. Cette rue était censée nous emmener près d'un arrêt de bus. Or, ce n'est qu'une route. On vient de voir un bus qui nous a passé sous le nez. Sûr que c'est pas un arrêt de bus ici. Pas fait. Il n'y a pas d'indication à l'arrêt de bus. Bah, allons à l'aventure, on aime ça. Quand même du truc. Alors... Partir à l'aventure. C'est quoi? Ah, c'est des toilettes. Alors ceci, ce sont des toilettes. Yuna, tu voulais y aller? Non mais ça va, si je l'ai tenu. Tu voulais aller où? Voici hein. Des toilettes. Ah, je compte pas monter. Non, en fait, je pense que dans tous les cas, faut qu'on descende. Donc, dans tous les cas. Et puis descendre, c'est beaucoup plus facile que monter. Voilà. Donc on va pas s'embêter. Le coucher de soleil, je vois le rouge. Oh, oh. Au moins, ce qui est bien, on aura vu le coucher de soleil. Non, on voit pas. Ah, on voit que le rose. En marchant plein sur la route et en plus sachant ici que les gens ils conduisent comme des malades, c'est pas du tout safe. Par exemple les... Ah, c'était quoi? La route. Ah, ok. Et du coup on descend en fait. Oh my god. En fait ici les voitures elles te frôlent. Et les scooters aussi. Donc si t'es pas sur la bande qu'il faut, bah ils s'en fichent, ils te frôlent. C'est ton problème. Non,
le panneau de bus. Mais il va où? Eh, Martin Diatane. Bah, oh, si. Bah, on s'en bat les couilles, on le prend. Mais c'est quand? Oh. Oh, il va à Chulis. Ah, jusqu'à 22h30, t'inquiète. Ah, ça va, ça va. Ah, bah, on part à l'aventure. Faut pas tomber, hein. On essaie de voir le coucher de soleil. C'est pas du bon côté de la montagne. À Tien Tan, on aura pas de place, c'est chaud. À Tien Tan. Bah là, sinon on va à je ne sais où. Eh, c'est pas safe peut-être. C'est quoi ces papiers? Des gens ont pissé? C'est vrai que c'est le papier des gens qui pissent ça. Mais regardez-moi ça. C'est tout ce qu'on fait. On pourrait peut-être checker le bus. Mais on voit pas le coucher de soleil du coup. Bah du coup non, c'est ça qui est chiant. On attend le bus, on sait pas à quelle heure il passe. La jungle, la jungle, la jungle. On aime ça. Si on prend le risque d'aller à un autre. Attends, je regarde sur... Eh hey, Marty, ah. J'entends ce qui, j'entends ce qui peut être un bus. C'est le son du minibus. Ouais, c'est un bus. On s'arrête là? Non. Le bus vient de nous passer sous le nez. 208, c'est par là. Le bus vient de nous passer sous le nez. Il a tourné. On était à ça. À ça de la voie. J'en ai marre, putain. C'est l'aventure. Attends, vaut mieux qu'on se mette de l'autre côté parce que les voitures elles montent. On va éviter de mourir aujourd'hui, ça nous serait bien. Oh putain. Oh. Hey. Hey. Wait for us. Please. Please. Chinwen. Chinwen. Motion. On n'en peut plus, on n'en peut plus, c'est la... Oh, c'est la mort, c'est la dèche. C'est comme bon, ça, hein. Il y a des voitures, bon. De toute façon, il y en a qui passent dans pas longtemps dans ces bus-là. C'est bon, là, c'est... Ah. Non, ce n'est pas un serpent. Nous sommes dans la civilisation à peu près. Dans la jungle qui reste là, la civilisation. Pas sur la sorcie, genre, tu descends là, la sorcie. Je comprends pas. Il peut peut-être voir le coucher de soleil, hein. Ouais, mais il y a trop d'arbres, hein, franchement. Je sais pas comment. C'est depuis la plaine de Haut-Vache, je crois. Alors regardez où est l'arrêt de bus quand même. Hein. Caché, caché entre les arbres, faut vraiment le voir. Caché, hein. Caché de se cacher. Ah. Bon, je lui dis qu'on va s'asseoir. Hein. On a trouvé un bus. On a réussi. On rentre chez nous, safe. Voilà, enfin, ouais, on a encore de la route. Tout ça pour dire que le parking à Mingshan, c'est très bien, faites-le. Même si vous n'êtes pas sportif.